Je vais vous enregistrer.
République, Guaïdage. Et le sénateur, l'honorable sénateur Pierre François Sidor. Nous demandons une présentation. Les Benjamins sont l'honorable sénateur Garcia Delva et Bonny membres de la presse, par l'écrit et télévisé, peuple haïtien. Aujourd'hui, 14 janvier 2020, la salle de séance Sénat de la République. Nous réunit selon le règlement intérieur et les procédures pour nous former un nouveau bureau qui doit gérer le Sénat. En tant de doyen d'âge, nous réunis ensemble avec le sénateur et nous demandé à RG, selon la présence qu'il a, est-ce que y a une quantité, majorité pour membres de présence sénateur. Sur ce, nous déclarer séance ouverte pour nous procéder à la formation du nouveau bureau devant régir le Sénat de la République. Moi, je t'ai proposé au lieu pour nous passer nos élections, nous joindre un consensus autour de la formation d'un bureau réduit qui est capable de donner un président, un questeur, un secrétaire. Merci. Honorable sénateur, la proposition du sénateur Unicat. Il dit que, en tenant compte que nous, on va être le sénateur du pays, et lui faire proposition pour nous attendre au réussi, au lieu que nous attendons tout le temps. On va mettre des propositions ça. Même pour moi-même, personnellement. Je trouve que c'est une proposition qui est intéressante. Si jamais les collègues sénateurs et si vous acceptez, il est bon. Parce que charge de travail habituelle qu'on gagne, nous ne pouvons pas gagner encore. Deuxièmement, l'on souci d'austérité, l'on souci pour éviter gaspillage, l'on souci pour ta rationaliser les dépenses du Sénat de la République, nous t'a appuyé proposition ça. Toutefois, m'a demandé, m'a cherché un consensus autour de proposition. Et ça que m'a demandé, les honorables sénateurs, ici présents pour former le bureau, est-ce que ils sont d'accord avec proposition sénateur Denis Cado qui t'a demandé pour nous former un bureau réduit qui est composé de un président, un questeur et un premier secrétaire. Et je... Est-ce que les sénateurs ici présents, est-ce qu'il y a une objection à ça? Et j'ai noté ça pour moi. Donc, nous entendons d'accord pour nous former un bureau réduit qui garde un président, un vice-président, un président, un questeur et un premier secrétaire. Et nous tous d'accord, pas d'objection. Puisqu'il n'y a pas d'objection, on y va. À différents, à formation du roi, ouais, qui moune,
qui voulait remplir fonction de président, de questeur et de premier secrétaire. Est-ce que le premier poste, c'est le président. Est-ce que grand sénateur qui est intéressé à occuper le poste de président du bureau? M'intéressé. Je suis intéressé. Et alors, à ce moment-là. Donc, dans ce cas, vous cédez la place au vice-doyen, qui est le sénateur Denis Gallo. Est-ce que pas de l'autre? Est-ce qu'il y a d'autres sénateurs qui sont intéressés? Non. D'autres candidats à la présidence? Étant donné que nous constatons pas bien l'autre candidat à la présidence, en vertu de pouvoir que moi-même moi gagné, moi déclaré sénateur Sildor, président Sénat. Pierre-François Sildor. Deuxième poste. Question là, est-ce que parmi nous là, il y a de sénateurs qui sont intéressés pour une question Sénat? Sénateur Ralph Fétière. Est-ce que il y a l'autre monde qui est intéressé encore? En réalité, le règlement intérieur a mandé faut que nous t'as passé dans le vote. Mais vu que pas grand pile sénateur là, n'a besoin de consensus là autour de sénateur Ralph Fétière comme questeur Sénat. Troisième poste à pouvoir, secrétaire du bureau. Est-ce que parmi nous là, il y a des sénateurs qui sont intéressés pour nous occuper poste secrétaire bureau? Sénateur Wannick Pierre. Est-ce que il y a l'autre sénateur? Sinon, on a procédé même genre. Par consensus, nous déclarer sénateur Wannick Pierre, secrétaire du roi. De coutume, chaque fois qu'un bureau qui est élu, nous toujours procéder à prestation serment. C'est peut-être ça m'a invité nouveau bureau pour nous rejoindre, secrétaire général là. Pour que il y a le fait exercice prestation de serment. Président, je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Que nous gagnons pour l'année, nous prenons le travail de commun accord avec notre collègue pour permettre que le Sénat
li existe pour permettre que l'institution ça li digne de ça que en pile moun te connaît dans le temps. Nous ne pouvons pas prendre aucun monde rien. Il y a trois pouvoirs. C'est exécutif, judiciaire, législatif. Pour les gens qui prétendent que le pouvoir législatif a disparu, nous avons dit, à partir de AXA, nous consacrer que le Sénat républicain bel et bien existé. Et sous bazar, nous invitons nouveau bureau à venir remplacer nous pour que eux-mêmes soient capables de faire parler avec la presse. Merci beaucoup. Merci. On a commencé le bureau doyen d'âge là, qui a organisé formation bureau. Là. Comme le prévoit le règlement intérieur du Sénat de la République. Je remercie les collègues sénateurs pour la confiance que vous faites. Moi-même, Pierre-François Sylor, comme président, le sénateur Jean-Marie Fétière, Jean-Marie Ralph Fétière comme questeur, et le sénateur Wani Pierre comme premier secrétaire. C'est le format bureau réduit que l'honorable sénateur Cadeau te proposait et que par consensus nous avons adopté. Présence bureau a symbolisé la permanence du Sénat. La permanence du Sénat de la République. Et solidairement, chaque sénateur à défendre, nous avons deux voix pour nous défendre l'institution, ça a créé le Sénat de la République et le Parlement haïtien. Nous avons salué les collègues sénateurs qui sont partis. Et nous disons que malgré tes mouvances de fonctionnement qui étaient difficiles, mais nous étions des collègues sénateurs. Nous souhaitons que nous continuions à penser, réfléchir et travailler pour le bien de ce pays qui en a besoin. Nous vivons une situation extrêmement difficile dans le pays depuis 18 mois. C'est le moment de nous penser pour chaque monde. Faire retour sur lui-même. Pour lui-même personnellement, mais par devoir, par responsabilité, par sensibilité pour ce peuple, peuple haïtien. Nous avons salué les autorités des autres pouvoirs, des deux autres pouvoirs. L'exécutif, le président de la République, le ministre, nous avons salué le pouvoir judiciaire, le président et les membres de la Cour de cassation, et nous avons salué toute notre responsable institution à un niveau à un rang qui est responsable de notre pays, le CSPJ, j'allais dire. Nous saluons le personnel Sénat. Nous connaissons que nous souffrons en pile. Souffrons en pile pendant tant que ce passé là. Et nous tous nous souffrons. Et nous n'avons personne qui a jamais été dans la souffrance. Ça. Mais nous avons besoin d'ordre, de discipline. Nous avons besoin d'ordre et de discipline. Nous saluons l'autre membre institution, les institutions internationales qu'il a. Parce que le Parlement haïtien fait partie de l'Union interparlementaire. Et à ce titre, nous saluons tous les représentants et tous les responsables de l'Union interparlementaire et tous les présidents des parlements du monde que nous travaillons avec eux. Nous avons dit
le bureau ça. Chaque monde vient pour devoir pour responsabiliser tête. Nous faisons un pile problème. Société a des fois voit nous mal et nous voit nous mal en pile. Nous là pour nous chaque fois il faut pas nous pour nous dire pour nous montrer que nous dignes de ça ou non. M'a mette fin à psychose ça m'a fait avec nous et selon le règlement m'inviter tout collectionnateur demain pour venir le bureau et en même temps n'a dit pour la formation des commissions parce que le travail qui pour faire en même temps tout le sénateur qui est capable de récupérer et faire le bureau nous pouvons organiser ça avec question là pour nous permettre de prendre tout ça qui est personnel à eux-mêmes parce que nous pouvons procéder question là bien entendu c'est pas le faire à inventaire des biens à l'inventaire du patrimoine du Sénat. Avant de prendre fonction. Sur ce, nous avons des SGA, la responsabilité que gagne de bien vouloir dresser le procès verbal approprié et d'en informer les autres pouvoirs et toutes les institutions de la formation de ce bureau aujourd'hui, 14 janvier 2020. Merci. Plus rien n'était à moi. Fermons la porte.